150 kWh d'électricité par jour, 20 mètres cubes d'eau distillée et une tonne de cendre qu'on peut utiliser dans l'agriculture. As I explained in French, we are here at the Niai Fekacha treatment plant. And this plant treats the sludge coming from households in the big suburbs of Dakar. You can realize that in Dakar, 80% of population are on on-site sanitation. And when they feed our food, they need to empty it. When we empty these sludge, what we have to do with that? Right now, we just dry the sludge and we use it as fertilizers. But with the gate, thanks to the Gate Foundation, we get a new equipment called the Omni Processor. And the objective is to use the Fekacha sludge to produce electricity 150 kilowatt per hour per day. We also can produce ash. This ash can be used as fertilizers. We can also produce drinking water. This is the objective, and with that, we can turn the sanitation perspective. As a non-profitable system, we can get something profitable, and it can allow to on us to better operate the existing system. This is what we can explain in English. But what we propose for this visit is to present the technician who will make a quick tour of the OP equipment in order to explain to your excellencies how the OP work and how are the new perspective for Senegal for this new equipment. Fadeli Pengou, and in French and English. Donc, bonjour à tous. Donc, on va essayer de suivre un peu sur le site qu'on a ici. Donc, comme l'a dit tout à l'heure le coordonnateur, l'omniprocesseur permet de produire des boues séchées, de produire jusqu'à une puissance de 150 kW, de fonctionner pendant 800 heures dans l'année, donc produire jusqu'à 1000 MWh. Et à côté de ça, on a une production de 11 mètres cubes d'eau potable et on a une production à peu près de 1 mètre cube de cendre par jour. Donc comme vous le voyez ici sur ce tableau, l'omniprocesseur à l'entrée prend les bouts de vidange, prend les bouts de vidange et à partir de ces bouts de vidange, on l'envoie dans ce qu'on appelle le sécheur. Le sécheur permet d'extirper toute la partie humide qui est restée dans le sécheur. Et à partir de cette partie humide, on l'envoie dans la chaudière. Cette chaudière nous permet de produire une vapeur qui va faire tourner un moteur et ce moteur va donc produire l'électricité par un alternateur. Et à la sortie de ce moteur, on utilise toujours cette vapeur pour venir en chauffage au niveau du sécheur. Et les vapeurs qui ont été donc extirpées des boues vont être condensées et envoyées dans cette unité de traitement d'eau. Donc il y aura 7 à 8 étapes donc, qui vont être franchies pour obtenir de l'eau potable. Et la première étape, comme vous le voyez, c'est une étape de distillation. Donc c'est ça. Ok. And this omniprocessor can from 12.3 cubic meters of dried sludge can produce 150 kilowatts and 8,000 can work 8,000 hours per year and producing 1,000 megawatt hours. And besides that, we can have 11 cubic meters of water, of drinkable water, and 1 cubic meter a day of ash, and that ash can be used as fertilizer. The first step is this will be all the dried sludge coming from the dry beds of the water treatment, wastewater treatment plant or the sludge treatment plant is dumped inside through this elevator and come to the dryer. In that dryer, we'll have the steam, and that steam will be condensed and sent to the water treatment. Okay, and we have several steps. Dried sludge is introduced to the vaporizer, and with that it can produce steam. That steam will be used to produce electricity in an engine, and after that engine, the steam. Thank you.
la bonne température, on fait toujours cette souscrit aller-retour. Pas que la température est bonne, automatiquement maintenant, il y a une trappe qui s'ouvre ici et une piste commence à envoyer au niveau de la chaudière. Donc en ce moment-là, maintenant le souscrit est ouvert et maintenant on peut prendre les vapeurs d'eau à partir du moyen de ces deux tuyauteries. Et là commence maintenant le traitement de l'eau. On passe d'abord par deux poches filtres, 10 microns et 5 microns. Ensuite, on passe par les deux tuyaux derrière, les deux tubes et les deux tuyaux. Tout ça, c'est la porte du vapeur. Ensuite, les deux condenseurs là vont se servir de refroidir pour les envoyer à l'outil proprement dit pour les manchons qui n'envoient. Et à partir de là, les boues. Maintenant,
Avec ça, dès que l'humidité est aux environs de 20%, bien, je pense même l'objectif à 20%. Donc, on peut prendre les boues et effectivement l'amener au niveau de l'omniprocesseur, comme on l'avait montré tout à l'heure, au niveau du hangar. Ça, qui se fait, ça a un coût pour récupérer les... Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, on a trois sous-produits. D'abord l'énergie. J'ai dit tout à l'heure, cette station permet d'abord notre station, par exemple, la station d'épuration, payée aux environs de 300 millions annuellement, comme charge d'électricité. Donc, ici, les sous-produits, le coût, donc l'énergie électrique, même si tu l'utilises, ce sont des ressources, tu fais économiser des charges ou bien tu le donnes à un opérateur de distributeur d'énergie. Le cendre aussi, qui est un fertilisant, là aussi on va le valoriser, on va le vendre. Et ensuite il y a aussi l'audicier. L'audicier aussi, vous savez que comme ça explique tout le processus de distillation, c'est même de l'eau potable, peut-être que scientifiquement, ouais. Non, mais on considère que c'est de l'audicier, même c'est de l'audicier, on va le valoriser. Et à partir de là, quand même le business plan, nous l'avons fait pour montrer qu'au bout de 4 ans, l'investissement qu'on fait ici devient rentable. Mais puisque l'exploitation vient de débuter, je pense qu'en cours, nous avons mis tous les paramètres pour faire ces mesures. Et je pense que dans un temps plus court, on pourra voir ce que la réalité donne par rapport au business plan. Mais je peux dire, compte tenu des charges que nous avons sur l'assainissement depuis, que c'est sûr que c'est une activité rentable. Rentable, même si ça ne permet pas de récupérer toutes les ressources investies, et nous pensons que c'est possible, mais ne fait que même de diminuer uniquement les dépenses, les charges qui étaient là, c'est déjà un grand gain financier. L'intérêt, c'est qu'en Afrique, beaucoup de gens considèrent que le secteur de l'assainissement n'est pas rentable. Voilà, le parent pauvre, il n'est pas rentable, il ne peut pas s'autofinancer. L'hydraulique urbaine peut s'autofinancer. L'hydraulique rurale est encore en train de faire l'assainissement. On se pose des questions. Alors, est-ce que c'est la même société qui s'occupe de l'hydraulique urbaine qui devrait s'occuper de l'assainissement pour être sûr que globalement on a un équilibre de gestion? Ou bien en créant une société autonome, rien que pour l'assainissement, est-ce que cela peut s'autofinancer? Parce que c'est ça le... Alors ici, ce qu'il faut, par rapport au Sénégal, il y a au niveau de l'assainissement, ça paraît que c'est regroupé dans le même ministère, mais on a et l'hydraulique et l'assainissement. L'assainissement aussi, donc, par exemple, il y a la... L'assainissement au niveau rural n'est pas en réalité d'une direction de l'assainissement au niveau du ministère. Au niveau du ministère. Pour l'hydraulique aussi, c'est la même chose, c'est le même schéma. Il y a l'hydraulique urbaine, l'hydraulique rurale. Hein, donc là, par rapport à l'hydraulique urbaine, effectivement, c'est un système assez rentable. L'hydraulique rurale, on est en train d'aller vers cette dynamique-là, puisqu'on est en train, avec les réformes, de mettre en place le même système qu'au niveau de l'hydraulique urbaine. Alors, par rapport à l'assainissement, c'est vrai que pour le rural, c'est plus compliqué, c'est moins maîtrisé. C'est moins maîtrisé parce que là, donc, c'est de l'assainissement autonome, c'est moins maîtrisé. Par contre, au niveau de l'urbain, effectivement, ce système-là permettra... La collecte de périphérie de la ville jusqu'ici, qui la matière première, c'est le privé, la matière première. Je nous fiche, ça va vous montrer. Et au Sénégal, c'est privatisé. C'est-à-dire que ceux qui ont l'assainissement autonome, lorsque leur fosse est pleine, appellent des vidangeurs. Des vidangeurs, vous le voyez ici, ils sont en train de dépoter. Alors, lorsqu'on dépote, ici, on peut regarder. C'est des camions vidangeurs qui partent vers les fosses antiques des citoyens et qui ramènent le. Voilà, No, no, no.
c'est la prime. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est là où on brûle les bouts. Voilà, donc là on a la salle de contrôle. Donc les caméras qui nous permettent déjà de suivre la condition. Donc et un peu tout ce qui se passe aux alentours du site. Donc là c'est le principe de la chaudière dont on vous parlait, le diffuser qui est là, les chauffeurs, le ballon de vapeur. Et maintenant, ces écrans-là nous permettent de recueillir toutes les données. Donc, vous voyez, on a les températures, les pressions et les seuils. Donc, les seuils qui sont fixés, la machine puisse maintenant piloter à partir de ces différents éléments. Donc, là, on a le tableau du sécheur. Là, on a le tableau de la chaudière. Là, on a le tableau qui reprend tous les éléments de la chaudière pour décrire les paramètres de combustion. Donc, là, on a. Ça, on a le tableau du traitement d'eau, ok, et là on a